semaine dernière, une bombe artisanale a explosé devant l'ambassade des États-Unis à La Paz, en Bolivie. Deux marines ont été blessés. Deux jours plus tard, un agent de terrain de la CIA nous a transmis les images suivantes. Nos analystes ont identifié l'individu sur ces photos comme étant Ricardo Sandoval, alias Ricky, agent spécial des SCUD, et mon ami. Sandoval a passé, avec ses six dernières années, à infiltrer la filière cocaïne locale. D'après les éléments dont nous disposons, Sandoval était la cible de l'explosion. Voyant que la bombe n'avait pas suffi, les auteurs ont dû finir le travail. Ils l'ont capturé, torturé et tué avant d'abandonner son cadavre. Nous ne l'avons pas encore récupéré. Notre cible, le groupe derrière l'explosion de l'ambassade et la mort de l'agent spécial Sandoval, est l'organisation de narcotrafic appelée Cartel de la Santa Blanca. Les simples trafiquants d'hier sont devenus des narco-terroristes. À la base, le gouvernement bolivien résistait au cartel mexicain, d'où la création d'une unité spéciale, l'Unidad Océane. Des milliers de cadavres plus tard, politiciens, agents de police et journalistes sont des espèces en voie de disparition. Le gouvernement bolivien a imposé, parce qu'il n'avait pas le choix, le président a passé un marché avec la Santa Blanca. Arrêtez de nous tuer et on ferme les yeux. Depuis, la Santa Blanca a fait de la Bolivie la nouvelle plaque tournante de la drogue grâce à leurs amis mexicains qui leur ouvrent une voie royale vers les États-Unis et le Canada. Le seul moyen d'arrêter la Santa Blanca pour de bon, c'est de la démanteler totalement, morceau par morceau. Le cartel se divise en quatre filières. Production, trafic, sécurité et influence. Tout en haut, il y a El Refe de Refes. Le Big Boss des Big Boss. El Sueño.
L'agent qui est mort. Vous étiez proche? C'était un ami à moi. Toutes mes condoléances. Je sais que c'est les risques du métier, mais c'est quand même dur à encaisser. Ouais, ça c'est clair. Ça doit faire longtemps que t'es là. Je me fais passer pour Karen Bowman, travailleuse humanitaire depuis à peu près 5 ans. C'est un peu galère, mais je peux aller où je veux, sans trop me faire emmerder. Au moins, on te fournit l'hélico. Vous êtes venu comment? Je suis venu en business class de Manaus. Hey, je suis là, c'est tout ce qui compte, non? J'ai fait du stop depuis Barranco, au Pérou. Et toi, Alt? J'ai monté dans un bus à Jujuy, en Argentine. J'ai picolé tout le long jusqu'à Villazón. Personne veut s'approcher d'un poivreau dans un bus. Ça explique pourquoi tu pues la gueule. J'ai entendu parler de vous quatre. Je venais d'être nommé officier à Moscou lors du coup d'État. En haut lieu, on parlait de vous. Non, tu dois sûrement confondre. Moscou, je connais pas. En tout cas, c'est pas tous les jours qu'on rencontre une vraie légende urbaine. Ouais, bah, va dire ça à mon fils. Là, peut-être qu'il m'écouterait quand je lui demande de sortir les poubelles. C'est dur d'être quelqu'un qui a aucune existence officielle. À toi de me le dire, Karen Bowman, la travailleuse humanitaire. Pareil que vous avez vu de quoi les humains peuvent être capables quand ils n'ont pas à assumer les conséquences de leurs actes. Mais laissez-moi vous dire une chose. Malgré tout ce que vous avez vécu, tout ce qui vous a endurci, rien ne peut vous préparer à être soignant. C'est une sorte de pseudo-mystique, du genre qu'on aurait mieux fait d'interner. Il a fait vœu de pauvreté et de chasteté. Si son kiff, c'est ni la chatte ni la thune, il reste que le pouvoir. La mission est suivie par la CIA, les stupes et l'interarme. Je serai votre officier de liaison. Bienvenue dans l'opération Kingsley. Le briefing a parlé d'un contingent d'autonomes. Ouais, les Qataris 26. C'est un groupe de rebelles qui s'opposent à l'Unidad et à la Santa Blanca depuis longtemps. On va voir leur chef, Pac Qatari, une fois au sol. Les Boliviens portent pas les Yankees dans leur cœur, mais cette fois, j'espère que l'ennemi de mon ennemi sera mon ami. Mais lui tournait pas le dos, il n'y risquerait pas. Quatre soldats. C'est ça l'aide dont vous parliez, dont Sandoval parlait. Un seul Yankee meurt, et vous envoyez une poignée de soldats. Des centaines de Boliviens sont morts sous les balles du cartel. J'attends toujours mes centaines de soldats. Je te rappelle qu'on n'est pas là officiellement. Ces soldats sont l'élite des forces spéciales de notre pays tout entier. Avec eux, vous n'avez besoin de personne d'autre. Dites-moi, connaissez-vous le terme Ibris, Señora Bowman? Voici Pac Qatari. Chef du groupe de résistants Qatari 26. On va unir nos efforts pour couper toutes les têtes de la Santa Blanca. Ils affrontent la Santa Blanca et les hommes d'État corrompus depuis près de 6 ans déjà. On va coordonner nos cibles. Non, il y a plus urgent. On nous a indiqué où Amaru est détenu. Amaru? Tu l'as trouvé? Amaru est l'un des fondateurs de Qatari 26. Plus que ça, tout notre groupe est fondé sur ses idées. Sans ces théories sur l'essor du prolétariat agraire, notre résistance organisée contre la Santa Blanca et la corruption n'aurait pas vu le jour. Amaru doit survivre. Si vous veniez en aide à mes hommes, je serais plus enclin à vous faire confiance. Où il est? On ne sait pas exactement. Juste qu'il est dans la province et qu'un lieutenant de la Santa Blanca peut nous dire où il se situe. Je vais contacter mes hommes de l'ISA, voir s'ils arrivent à capter quelque chose d'intéressant. Partez chercher ce lieutenant et informez-moi de la situation par téléphone. Bonne chasse. La vie d'Amaru est importante pour notre cause, Yankee. Fais attention à ne pas tuer le lieutenant du cartel avant d'avoir pu lui poser des questions.
C'est l'heure de mériter votre solde. Allez, au boulot. J'avoue, ça me défrise un peu de collaborer avec Pak Katari et ses rebelles. Leur idéologie, c'est le genre à finir en bain de sang à tous les coups. T'en penses quoi de cette OP, nomade ? Franchement, tout ça, c'est qu'une vengeance. Faut qu'on boucle cette histoire vite et bien avant de se retrouver le cul coincé entre les magouilles politiques et les balles du cartel. Premier objectif, retrouver le lieutenant de la Santa Blanca pour remonter jusqu'à Amaru. Je vote pour. Sur le bord de la route. Ils ont été lynchés. C'est sûrement des civils. Ils veulent nous faire fuir ? Ça a plutôt l'effet inverse.
L'ennemi est actif dans ce secteur. On a décollé. J'en ai eu un. La cible ne doit rien voir venir. Fixez vos silencieux. Je vois une cible avec des pistolets mitrailleurs. J'en vois un autre. Bien sûr, mobile. Quand tu veux, chef. Bon, bah lui, c'est réglé. S'excite dans leur coin, on dirait. Carajo, nos están atacando, cúbranse. Ils savent qu'on est là. Repérez le lieutenant du cartel. C'est lui qui sait où se trouve Amaru. Quédate quieto. Ok, du con. Tu réponds à mes questions ou je te colle une balle dans les boyaux et je te laisse crever dans ta merde. Comprenez? Faut te calmer, putain! Qu'est-ce que tu veux? Amaru, je le trouve où? Sérieusement? Ok, c'est toi qui vois. Pas de problème. Il est à Tolo Farm. Vas-y, tu verras toi-même ce qu'on fait aux ennemis du cartel, aux gens comme toi. Faut pas traîner. Amaru est pas tout jeune. Il tiendra pas longtemps sous la torture. Eh merde. Si ça se trouve, ça fait déjà un bout de temps qu'ils l'ont crevé. On n'en sait rien. Amaru, c'est pas n'importe qui chez les rebelles. Le cartel va vouloir le garder en vie tant qu'il peut pour lui arracher ce qu'il sait. Je veux pas tenter le diable. Il y a beaucoup trop en jeu. On y va. Je vois un sicario. Ok, ah, ça va. À côté du Mirador. Je suis en position de tir. Allez, on décolle. Le cartel va pas attendre bien gentiment qu'on aille sauver Amaru. Après les sacs de sable. On déploie une balise. Les rebelles enverront quelqu'un récupérer la marchandise.
estás muerto, ¿entiendes? Ok, allí está un asesinato. ¡Che, hijo de la chingada! Couche-toi, avocat. Aujourd'hui, je me présente devant toi et j'implore ta bénédiction. Je prie pour avoir la force et le courage. Je prie pour mes ennemis. Cible abattue. La vérité ne leur adresse. Frag lancé, attention les yeux. Tirez-vous, ça va péter. Frag lancé. On est au calme. Allez-y, je vous rejoins.
Attachez vos ceintures. J'ai au bout du fil la beauté de toutes les beautés. L'élégante, la más guapa, Villa Flores. Mamacita de mi vida, la reina de belleza, la reine de beauté. Bienvenue à l'antenne. Gracias, Perico. Ça me fait plaisir de te parler. Et est-ce que tu peux confirmer ou infirmer les rumeurs bien bandantes qu'on s'échange au coin du feu sur un nouveau sous-marin signé El Cerebro ? El Cerebro, mi chico, passe son temps à concevoir et à construire de nouveaux équipements pour la Santa Blanca. Je le connais depuis des années, sa famille et lui, et j'ai toujours su qu'il avait un don. Si, si, chiquillo. Neta ? Et ce serait un vrai submersible ? Ou bien un de ces pseudo-sous-marins qui rasent la surface ? Si, papacito, un vrai. Il a développé un engin qui échappe totalement à l'imagerie radar et satellite. C'est un prototype, mais il est fonctionnel. D'ici quelques semaines, ces sous-marins commenceront peut-être déjà à exporter notre produit vers le Mexique et l'Europe. Et la question que tout le monde se pose, est-ce qu'il y a des chiottes dans ces nouveaux narcos sous-marins? En serio? Non. Ahí lo tienen! La vérité sort de la bouche non pas des enfants, mais d'une plantureuse créature. Sur ce, on s'envoie un morceau sec, 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 qui va vous faire shake, shake, shake! Actif. Je vois une troisième cible. J'en vois un autre, ça fait cinq. Là-bas, c'est un sicario. À l'intérieur de la grange. Sicario en visuel. Dis-moi où. Là, devant la grange. Je désigne une cible. Attention aux civils à côté.
On arrive à Atolio Farm. Rappelez-vous, la plupart de ces sicarios sont des anciens de l'armée. Identifiez vos cibles. Si Amarus prend une balle, l'opération Kingslayer tombera à l'eau avant même d'avoir commencé. C'est parti. On recherche sur moi. Bien reçu, j'y vais. Vous êtes Amaru? Ou plutôt ce qu'il en reste. Venez, on va vous sortir de là. Où est-ce que vous m'emmenez? On vous ramène chez vos amis. Alors, Pat Katari a passé un marché avec Los Malditos Gringos. Quel petit camp. Voyez ça avec lui, seigneur.
caisses d'armement. Tu es blessé. J'ai eu droit à l'hospitalité du cartel. Ces Aoukas, ces démons qui m'ont interrogé. Disons que le roucoulement suffisait à me faire vomir. Mais leur méthode n'était pas... Comment dire ? Ils s'appelaient Yuri et Polito ? Oui, Yuri et Polito. C'est ces enfoirés qui ont torturé Ricky Sandoval sous les yeux de Soigno. Cela, je les veux. Tout ce qu'on a vu, c'est des sicarios en sauvant Amaru. Mais je n'ai pas vu Yuri et Polito depuis au moins 3 jours, peut-être 4. Je sais pas ce qu'ils préparent. Il faut qu'on se rencarde. On fouillera chaque village, chaque camp jusqu'à trouver une piste. Quelqu'un doit savoir quelque chose. Fouiller la province, pirater leur système, interroger les lieutenants ennemis, parler aux civils. Faites ce qu'il faut. On va passer le coin à la loupe. On a le dossier de Bowman sur Yuri et Polito en cours de transfert. C'est le dossier sur la Yuri et El Polito. Ils font partie intégrante de la filière sécurité du cartel. Pensez à consulter le briefing de Bowman sur leur hiérarchie. Le responsable de la sécurité, c'est El Moro. Le Mur. Garde du corps personnel et ami d'enfance d'El Sueño. Le petit frère d'El Moro, c'est La Plaga. Une belle ordure. Très actif sur les réseaux sociaux. Il y avait 4 personnes présentes la nuit où l'agent des stupes Ricky Sandoval a été assassiné. El Sueño, chef du cartel de la Santa Blanca, Ricky, et les 2 autres, c'était La Yuri et El Polito. Yuri et Polito se sont rencontrés dans un dispensaire miteux de Chiapas. Lui était interne dans ce bout de paradis, et elle était infirmière. Ça a été le coup de foudre. Dès le premier regard, ils étaient inséparables. L'amour avec un grand A. Un jour, un butchon nommé La Plaga est arrivé aux urgences, criblé de balles. Ça s'est joué à pas grand-chose, mais Yuri et Polito ont réussi à le sauver. La Plaga, reconnaissant, les a inondés de cadeaux, des invitations aux soirées les plus sélectes et même une bagnole. De fil en aiguille, il a fait de Yuri et Polito le corps médical principal de la Santa Blanca. Aimable euphémisme, bien sûr. Car Yuri et Polito connaissent l'anatomie humaine. Ils savent jusqu'où le corps humain peut souffrir avant de claquer. Ils savent comment vous garder vivant et pleinement conscient pendant qu'ils vous charcutent. Et surtout, ils savent mieux que personne comment charcuter. Ils opèrent dans la province d'Itaqua. Quand la Santa Blanca capture quelqu'un qui refuse de parler, la Yuri et El Polito le font parler. Ils brisent les jambes. Comme je l'ai dit, il y avait 4 personnes présentes la nuit où Ricky Sandoval a été assassiné. Sueño, Ricky, Yuri et Polito. Ils ont gardé Ricky en vie, pendant que Sueño le torturait. Non-stop, pendant 47 heures d'affilée. Ils ont brisé Ricky Sandoval et Sueño l'a exécuté. C'est le sicario en chef du cartel. On est parti. Si on veut Sueño, il va falloir remonter progressivement jusqu'à lui, en commençant par Yuri et Polito. On récupère les intels, on localise les cibles, on les élimine.
Nomad, j'ai pas Katari au bout du fil. Il a l'air d'avoir besoin de notre aide. Passe-le-moi. Hola, compadre. J'ai un problème à Itaqua. Bowman me dit que vous pourriez m'aider. Mes hommes ont besoin d'aide. Beaucoup ont été tués par le cartel. Les autres sont terrifiés par les atrocités de Yuri et Polito. Le brasier de la Révolution menace de s'éteindre. Épargne-moi ta rhétorique, Katari. Dis-moi ce que tu veux. Un convoi du cartel doit bientôt traverser la province. Sa capture redonnerait non seulement des vivres, mais aussi de l'espoir à mes hommes. C'est dans vos cordes ? C'est carrément dans nos cordes. On est à la botte de Pat Katari maintenant ? Il a besoin de ce convoi, ça mange pas de pain à lui filer. Plus il sera tributaire de nous, plus on pourra lui demander de l'aide en échange. Les tortures de Yuri et Polito, d'après vous ? Ça, j'ai aucune envie de le découvrir. Ouais, mais je veux dire, là, on parle pas de trucs gentillés comme le waterboarding. C'est des trucs sales avec lésions permanentes. Ils ont aussi une formation médicale, donc j'imagine qu'ils ont les produits qui vont bien pour garder leurs victimes conscientes. Sauf qu'à l'époque, les vrais tortionnaires avaient pas besoin de drogue pour garder leur vie. Vu le peu de gens qui survivent à leurs interrogatoires, un vrai tortionnaire, un pro, il contrôle tout, il sait où il va. Yuri et Polito, ils sont négligents. Ils se laissent emporter, ils font ça pour le plaisir, pas pour l'argent et encore moins pour l'art. Donc oui, ce qu'ils font, c'est brutal. Et pas dans le bon sens du terme. C'est brutal parce que c'est des bras cassés. T'as l'air tout gentil, tout sourire, mais faut pas t'énerver, hein. Tu les touches, tout le village. Fais s'abattre le courroux divin sur Kulta. Attention, il est de la face du monde. Claro, al rato. Allez, tiens le coup, j'arrive tout de suite. J'en vois un qui se trimballe avec des pistolets mitrailleurs.
con todo, güey. Allez là-bas. Bien compris. Cible confirmée. Je vois un arco du cartel. Prêt à l'attaque. Fais voir où ils sont. Prêt, feu à volonté. J'exécute. Là, on est repéré. Tirez en force. Aucune cible. Cible abattue. Pas ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? T'es le dernier, je crois bien. J'ai trouvé une des médailles du cartel. Il y a un sicario qui va s'en bouffer les couilles. Localiser le garage où Polito planque sa voiture de sport. On embarque la bagnole et le GPS avec. Peut-être que ça nous dira où les chercher, sa petite copine et lui. Feuille de coca sur cette médaille. C'est presque cool.
fait un max de loupiotes et de boutons.